arrière et chantent les vignes dans un dépôt sauvage. Et comme vous pouvez constater, mesdames et messieurs, c'est quand même extraordinaire. Je suis avec un voisin, mais qui souhaite rester un peu anonyme. Dites-moi, depuis combien de temps que vous avez vu tout ça? Ça fait à peu près 17 ou... 15 jours. Oui. 15 jours qu'ils sont là. Donc on trouve ici qu'il y a une marque Cherokee, fongicide. Et c'est, on voit aussi des produits qui semblent être pour l'agriculture, pour l'agroalimentaire. Là, vous voyez, c'est Cereax, fongicide systématique contre les maladies des céréaliers, des céréales. Et tout ça, c'est comme si c'était des lots. Et on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a jeté ça. C'est marqué la fongicide pour lutter contre les maladies des crucifères oléagineuses. Et ce sont des, et c'est marqué bien réservé à l'usage exclusivement professionnel. Et donc il y a la marque Bayer, il y a la marque BASF, B-A-S-F-F, donc des marques très connues par l'industrie donc alimentaire. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est que cette dépôt sauvage des immondices a été quand même empiré. La situation s'est empirée avec ces dépôts. Qui est quand même incroyablement compliqué et dangereux. Verser par terre, normalement c'est dangereux de verser par terre ou près de même l'eau usée. D'accord. Quelles quatre sortes? Quatre sortes de produits, c'est pas les mêmes tous. Hein. Oui. Donc à mon avis, vous savez, il faut pas qu'on prenne nous parce que c'est hyper dangereux. Ça, tout proche. Donc ici on voit. Un échantillon de ce qui a été jeté dans la plaine. Et donc c'est un riverain qui a ramassé pour quelque part éviter la pollution de ces trucs. Et là on voit bien qu'ils disent bien fongicide systémique, concentré contenant des produits assez bizarres. Et surtout ce qu'on voit c'est la marque BASF. Donc une société très très connue par... Et là, on voit bien que c'est, voyez, c'est nocif par inhalation. Effet cancérogène suspecté. Mais on peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Donc tout ça pour dire que, ma foi, ce sont des produits vraiment ultra dangereux. Très toxiques pour l'organisme aquatique, pour entraîner des effets néfastes à longue... pour l'environnement aquatique. Vous voyez là. Autrement dit, les nappes néphrotiques pour être. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer cette préparation, toute autre de préparation contenant du chlorome, etc. C'est ça, vous voyez là. Tout c'est polluer l'eau avec. Et surtout, ce qui est marqué, c'est éviter le rejet dans l'environnement, consulter la fiche des données de sécurité. Respecter les instructions et utilisations pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Donc vous voyez bien qu'ici, nous avons un vrai problème de pollution. Oui. Ici, il casse tout, et il boit du whisky, vous voyez là, les cartons de whisky, tout ça. Il prend les bois, les machins, tous les tons, tout ça. Alors il boit et après ils font le feu et ils s'en vont à leur place. Donc ici nous sommes dans la plaine, nous prenons la route pour aller vers l'usine à salise que vous voyez là au fond. Ah. Sinon ici sur la plaine il y a plein des débris que vous voyez là, des poubelles. Bon comme on sait d'habitude, hein, il y a quand même des gens qui cultivent un petit peu, non? Ou est-ce qu'ils font là à l'intérieur? Là ils protègent comme une réserve indienne là. Donc on est au cœur de la plaine des Triels, mesdames et messieurs, et comme vous pouvez imaginer, c'est un no man's land, un wasteland. Une belle expression de la situation actuelle, là. Belle expression, un état des lieux de notre plaine. Regardez comme tout est cassé, tout est des détritus, et c'est vraiment horrible de voir tout ça. Et c'est à deux pas de l'usine à Zalis à ma gauche ici, et à ma droite, si on va vers les
vers à peu près 300 mètres. Une seconde. Je pourrais sortir si... Non, une seconde. Je vais juste sortir 2 secondes. Sinon, ça va. Deux secondes. Donc là, c'est pour montrer quand même la situation actuelle. Et au fond, vous avez l'usine Azalis. C'est vraiment lamentable. Lamentable la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Ici, vous voyez, mesdames et messieurs, nous arrivons à ce qui est devenu vraiment une décharge à ciel ouvert. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment une véritable décharge à ciel ouvert. Donc, faite par les personnes qui... Là, à peu près à 200 mètres d'ici, on voit les campements des Roms. Donc, en espérant que les autorités compétentes, et notamment l'État, puissent se saisir de cette question, on va vous laisser ici sur la route.